Hey, salut tout le monde, c'est Terence44, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle sortie. Je suis pas en Loire-Atlantique, mais à Dinan, dans la Côte d'Armor, en Bretagne, chez nos voisins. Et nouvelle sortie vélo, direction le Mont Saint-Michel ce matin. Une sortie à la journée avec Jimmy. Salut. Et Monsieur Adrien qui est juste derrière. De mat. Et je vous reprendrai au fur et à mesure des kilomètres. Voilà, sur... une longue distance à la journée, à peu près 130 km, c'est ça à peu près? À peu près, oui. Voilà. Allez, à toutes pour la suite de l'aventure. Ben voilà, première petite pause dans la ville de Dole, de Bretagne, avec les gars, comme vous voyez. Salut. Et petite pause, petit coin, avec des tenues différentes. Sur ma Terrence. AG2R, FDJ, Italia. Et on se reprend au fur et à mesure des kilomètres. À toutes. Voilà, arrivé dans la ville de Pau-Torsion avec les gars. Ça va, hein. Voilà. Nous faisons un petit détour en Normandie. Voilà, dans la Manche. En Normandie. On n'est plus en Bretagne. Et voilà, nous sommes arrivés dans la ville de Pau-Torsion en Normandie, dans la Manche, pour changer l'heure de goûter. Bah, du repas midi avec les gars, voilà. Bon up, même s'il n'est pas encore midi, mais nous, on est en train de reprendre nos forces. Un peu de vitamine, de force, de la baguette, du un petit jambon fromage, parce qu'il n'y avait pas de jambon beurre, on voulait ça, mais voilà, sur cette place. Allez, bon appétit à tous. Ben voilà, presque arrivé au Mont Saint-Michel, comme vous voyez, mes premières fois qu'on va là-bas. Jimmy l'a déjà été, Adrien jamais, et c'est notre découverte. Vous voyez, et marée basse actuellement. Yeah! Mont Saint-Michel! C'est ça. La découverte. Voilà. On roule au pas, les gens, comme vous voyez, direction le Mont Saint-Michel. Avec les navettes spéciales qui roulent au bio naturel. Et voilà, arrivé au Mont Saint-Michel, au pied de cet immense lieu touristique rempli de monde. Mes premiers pas, mes premières fois, c'est magique, avec Adrien, voilà, qui fait sa petite photo, et grâce à monsieur Jimmy, voilà. Et regardez, c'est très 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 beau, le drapeau français, le drapeau normand qui est juste là, et voilà. Et qu'on voyait. Voilà. Après plus de 34 ans de naissance. C'est trop beau. Voilà, c'est la joie. Au bout de 32 ans, j'ai jamais venu entre la Normandie et la Bretagne actuellement. L'un de mes meilleurs souvenirs de trop beau. En compagnie. Génial. Bon voilà. On est arrivé à Dinan au port actuellement. Vous voyez. Après le départ ce matin. Génial. 36 degrés et... de ouf avec les gars. Je vais aller voir, mais on n'en peut plus. Mais voilà, arrivé à Dinan devant chez mon ami. Au compteur aujourd'hui 126,300 km, 36 degrés, des crampes aux jambes. Vous verrez ça en vidéo. Voilà. Et pour ceux qui veulent savoir tout, comme d'hab, suivez-moi sur Instagram, je mettrai tout dans les liens, et n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner, activer la petite cloche. On se dit bon visionnage à tous, et voilà le bon petit 76 km. Allez, Kenavo à tous, au revoir et bon visionnage.